Salut à toutes et à tous, c'est Bewi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Metro 2033 dans le jeu Metro Redux. Alors on se retrouve vraiment juste derrière, j'ai pas avancé plus pour que vous voyez où on est, ce qui se passe, tout ça. Et là j'attends qu'il reste dans son petit coin, je laisse poireauter un petit peu, le temps que je découvre un peu... Oh putain, heureusement que je l'ai vu, sinon j'allais me prendre quoi dans la gueule alors ce coup-ci. Je sais pas ce que j'allais prendre dans la gueule, mais j'aurais pas aimé. Ouais, c'est ça. Ah, une petite balle. On peut pas récupérer les balles du coup. Non, apparemment non. Mais il doit avoir quelque chose ici. Oui, donc on vient de trouver des clés. C'est nickel, donc ça c'était plutôt simple. Je sais pas ce qu'on récupère, des couteaux, de l'argent. Et là, on va retourner derrière ses fesses. Allez, tu peux avancer. Et lui, il y a une lumière à son pistolet. Moi j'aimerais bien en avoir une aussi, parce qu'il y a des moments, des endroits où c'est vraiment très sombre. Oh, ils arrivent. Putain, tu t'occupes la droite. C'est quoi la droite pour toi? C'est par là. Ne mange pas la neige jaune. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ou pas? C'est moi que tu veux. Ok, chargement d'armes. Hop là. C'est quand même plus efficace ça. Venez vers moi. Venez. Ah merde, j'ai me trompé. Esquive. Encore, je me suis encore bourré, merde. Je vais crever. Hop, esquive. Venez par ici. C'est bon. Ok, j'arrive, je te suis, je suis d'accord avec toi. Je vais mettre le petit pistolet. Oh, regarde, t'as nous suffoquer en plus, dépêche-toi. Mon bonhomme, il va mourir, putain. Ouh là, ça commence fort cet épisode. Ouh. Bah, je vous ai un petit peu bloqué. Je me suis arrêté à un endroit un petit peu dans l'histoire qui était un peu plus calme juste avant d'arriver à ça, justement. Enfin, je savais pas, mais... je pense que c'est quand même mieux parce que l'épisode de juste avant il m'avait l'air quand même assez long. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit sûr. Pas mes amis, on se barre d'ici. Je suis sûr, on va tomber de plein dans la station et on va foutre la merde. Ça va être drôle. Sinon, elle casse déguisée en bandit. Hein. Je me souviens de cette grille. On a qu'à. Oh, une araignée. Oh, elle est dégueulasse. Merde, je rentre pas dedans. Bon, moi, je rentre, je suis sûr. Oh, l'araignée. Oh, c'est dégueulasse. Le premier dedans. Ah merde, il s'est fait avoir. Qui va là? Eh, hey, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. T'as, il s'est fait choper. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir en fait. Au final. Mon chef? Mais bien sûr. Alors, envoie le chef. Ah, il est en train de se faire défoncer. Ok, ça suffit. Sinon, on va devoir le traîner. Okay. On se maille. On finira ça plus tard. On se maille. Putain, il s'est fait choper. Merde. Donc, on va finir tout seul. Mais on récupère ses armes. J'espère, en tout cas. On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ah voilà. Ouf. Il y a que des rats ici. Ok, alors on y va. Le rat il m'a sauvé. Un petit rat qui m'a sauvé. Donc du coup je peux récupérer son équipement et son AK-47. Donc je suis désolé pour le petit pistolet qui était vraiment pas mal, même si c'était pas non plus un truc exceptionnel. Mais le AK-47 il prend quand même. La place. Donc du coup je vais devoir Oh putain, c'est bête. Regardez-moi ça, comment c'est dégueulasse. Oh. Et lui met sa tête dedans. Allez.
Donc je dois ouvrir, me faire un petit chemin et je ne sais pas par quel côté aller. Je peux aller de ce côté-là comme de l'autre. Lui il me dit de ce côté-là. Mais je sens que je vais me faire avoir si je passe là. Ok, on est passé. On va se calmer. Voilà, hop, discrétion. Est-ce que je peux en avoir un autre? Hop, oh putain. Je me cache. Putain, je flippe quand même. Oh, ils vont me trouver, j'ai vu les lumières là. Oh merde. Très bon enfoiré. Et il est juste où lui? Oh, il est dans mon dos cet enfoiré, putain. Un petit medikit, je crois, s'impose. Oh merde, je vais crever. Oh merde, il tire à travers. Ouh là là, c'est chaud quand même, putain. Oh, il y en a un en haut. Ok. Vous crevez en silence, s'il vous plaît. Je vais essayer de m'occuper de celui qui est en haut. Bon, tu meurs ou tu meurs pas? On va passer aux choses sérieuses. Tu veux pas mourir? Bah tu vas crever quand même. Bon, j'essaierai de l'avoir de plus près. Il est encore en vie celui qui était en haut. Ou je l'ai tué? J'ai quand même dû l'avoir apparemment. Tant mieux. Cette musique là ne me rassure pas du tout. Ah, il y a une note. Hop, je vous laisse lire. Là il n'y a rien. Bien sûr, quand c'est moi qui prends d'assaut un truc où c'est censé être discret, bien entendu je le prends pas discrètement du tout. Je crois qu'on va pas mourir. Il y a des lumières là-bas. Peut-être y aller discrètement. Si c'est possible, ce serait bien. Parce que j'aime pas trop foncer. Bah si, j'aime bien, mais là, je préfère le faire calmement. Personne en vue. Si j'ouvre, c'est assez risqué. Oh putain. Je les ai énervés. On éteint la lumière, non? Ah bah les lumières sont invincibles dans ce jeu. Je crois que j'ai plus de balles, je peux bien plus recharger. Ouh là 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 là, putain, c'est chaud quand même. Oh putain, ils sont quand même agressifs, hein. Tu viens ici, je t'éclate. Dans ta tête. On est des tarés, on fonce dans le tas. Salut les mecs. Oh, y'a plus personne. C'est que j'ai bien fait mon boulot. Oh, je peux peut-être passer par là. Discrètement? Non, je peux pas. Des medikits, ça c'est bon ça. Je sais pas pourquoi des fois j'éteins les lumières, des fois je les rallume. Il a pris cher.
merde, je tire à côté. Oh mais merde. En fait j'ai l'impression que les balles sont en retardement dans cette arme là. En fait on tire et le temps que ça arrive à la personne, ça le touche. J'aime pas du tout ça. Eh bande d'enfoiré. Bande d'enfoiré. Tu vas prendre cher dans ta gueule toi. D'où tu m'envoies des trucs qui pètent. Et toi tu veux faire ton malin toi. T'as la chance que je sais pas comment on fait pour jeter des trucs qui pètent. Attendez. Ah c'est les boutons là. Ok donc je sais pas sur quelle touche je dois appuyer mais je peux leur jeter une grenade incendiaire. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Comme ça? Non. Oui. Je vais tirer ça. Ok. Donc il faut appuyer sur le bouton en haut à droite. R1 ou L1, je sais pas c'est lequel. Je sais jamais c'est lequel. Ça doit être le R1. Hein. R1. Si je me gourre pas, mais j'ai pas assez de luminosité pour voir. Mais qu'est-ce qu'il attend lui? Je sais pas ce qu'il attendait, il est en plein milieu, l'air de dire vas-y bute-moi. On va pas s'emmerder, on va aller là. Oh. Ok. C'est une salle où il fait froid. J'ai compris ça. Bon, on va aller tout droit. Là où je dois aller, certainement. Qu'est-ce que t'as amené avec toi ? Y'a personne. Oh putain. Artyom. Ok. Oh y'a tu as Bourbon. Oh non. Je vais être tout seul. Oh putain, je vais le défoncer lui. Oh. Tu peux baisser ton arme, t'es qui, jeune homme. Putain. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Kain. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer et je préfère éviter un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumes. Sage décision. Ah merde! Je voulais pas aller là, j'étais en train de fouiller, putain. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. J'espère pourtant, à toutes et à tous que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve dans la suite. Khan m'avait assuré que le destin de dans le prochain épisode. Salut tout le monde! Mais je regrettais sa mort.